Ce dimanche 28 juillet 2024, le monde entier célébrera la journée mondiale de lutte contre les hépatites. À cette occasion, le ministre en charge de la santé publique, de la population et de l'action sociale a livré un message. Le résumé de son message avec Souleymane Ousmane. Organisé tous les 28 juillet à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé OMS, la journée mondiale de lutte contre les hépatites est destinée à faire connaître les différentes formes de cette maladie, à sensibiliser et à rappeler les mesures de prévention pour lutter contre ce fléau mondial. À cette occasion, le ministre de la Santé publique a livré un message dans ce sens. Demain 28 juillet 2024, à l'instar de la communauté internationale, le Niger célébrera la 14e journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. L'hépatite virale est une maladie du foie causée par des virus. Selon le rapport de l'OMS publié en 2024, le nombre de morts imputables à cette maladie est en augmentation avec 1,3 million de décès notifiés en 2022. Soit 3500 décès par jour, dont 83% étaient liés à l'hépatite virale B et 17% à l'hépatite C. L'hépatite virale chronique B touche 254 millions de personnes à travers le monde. On dénombre 1,2 million de nouvelles infections chaque année. Quant à l'hépatite virale C, elle touche près d'un million de personnes. Les hépatites virales représentent un problème majeur de santé publique dans le monde, avec environ 325 millions de personnes atteintes d'infections chroniques et plus d'un million de décès chaque année. L'hépatite virale B est un problème de santé publique au Niger. En décembre 2022, une étude pilote de séroprévalence de l'hépatite virale B faite chez les femmes enceintes a retrouvé une prévalence moyenne nationale de 6,81%. En outre, au mois de mai 2024, selon le rapport du Programme national de lutte contre le sida et les hépatites, 118 nouvelles infections chroniques dues à l'hépatite B ont été recensées dans les sites de prise en charge avec 277 porteurs chroniques de l'hépatite virale B suivis dans le même mois. Ainsi, le faible niveau de dépistage de la vaccination et du traitement des porteurs chroniques constitue un facteur aggravant de l'hépatite virale B au Niger. Mesdames et messieurs, cette maladie, cette année, le thème de la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales est « Il est temps pour l'action » avec comme slogan « Intégrer ». Accélérer, éliminer. Selon plusieurs statistiques, on estime que 57% des cas de cirrhose du foie et de 78% des cas de cancer hépatique primaire résultent d'une infection par le VHB ou le VHC.